Bienvenue à Karnaca, étranger. C'est pas la peine de vous couvrir le visage. La poussière des mines descend pas jusqu'au quai. Quel est ce navire là-bas? Vous connaissez le capitaine? Bonjour. Entre les mouches et la classe, on commence à avoir du bonheur ici. Vous n'êtes pas d'ici, pas vrai? Bienvenue à Karnaca. C'est inquiétant que quelqu'un enlève les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi vous mettez un masque? Chers concitoyens, en l'absence du duc, j'aimerais faire l'annonce suivante. De nouvelles restrictions ont été mises en place en réponse aux assassinats politiques perpétrés au nom de l'impératrice. T'imagines une créature de cette taille qui attaque ton navire en pleine mer? Elles sont horribles. Et interroger tous les étrangers et les nouveaux ouvriers dans les rues. Voyez, attends. J'ai qu'à employer qu'une partie. D'accord. Et vous, la charité. Oh, c'est gentil, merci. Pour passer de l'autre côté de ce portail foudroyant, il paraît qu'on... Je vous souhaite de ne pas avoir besoin d'aide. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Moi, c'est Mindy Blanchard. Vous, vous avez la tête de quelqu'un qui se moque des barrières et des interdits. Vous voulez me donner un coup de main? À charge de revanche, évidemment. Je dois aller à l'Institut Adarmir. Est-ce que c'est dans vos cordes? Ouais. Je peux vous être utile. Vous allez me chercher un corps, et je vous file un coup de main. Je vous rassure, il est déjà mort. Un corps? Bizarre. Où ça? Les superviseurs le gardent dans leur avant-poste. Ils croient que c'était une sorte de sorcière. J'ai mes raisons de vouloir le récupérer. Prenez-le discrètement et rejoignez-moi dans le vieux sous-sol du chirurgien-dentiste. Je vais y réfléchir. Un marché clandestin. Qui dit contrebande dit armes et munitions. Ah, vous voulez des plans d'armes plus puissantes? Je ne veux pas savoir pourquoi vous portez un masque. Vous n'allez pas le regretter. Oh, j'ai besoin de faire la sieste. Je ne traite pas avec les étrangers d'habitude.
quand même pas s'arrêter pour quelques mouches de sang. Je suis entré. N'oubliez pas d'avancer lentement et vous approchez pas des... C'est infesté. Doucement. Ne pas s'approcher des nids, évitez le venin et les œufs de mouches de sang qui cherchent un hôte. Carl, je te rappelle qu'on passe ici pour franchir le portail foudroyant. Si tu tiens à quitter la ville comme nous, c'est notre seule chance. Non, on a toutes les chances de finir piqué à mort, et on servira d'hôte pour une nouvelle génération de mouches qui s'attaquera aux prochains débiles qui s'introduiront ici. Putain, Carl. Attention avec cette épée. Où est-ce que je vais trouver tout cet argent apprécié? Oh, ça fait du bien. Je sais pas ce que j'ai mangé pour mériter ça. Cette fois.
Chers concitoyens, réjouissons-nous. Notre nouvelle impératrice, Delilah Caldwin Ier, a été couronnée et sa grâce, Lucas Abel, duc de Cerconos et nouveau prince consort de l'impératrice, reviendra bientôt parmi nous. Durant les 3 jours qui suivront le retour du duc à Karnaca, toute activité officielle du gouvernement sera suspendue. Permettre au duc de se remettre de son voyage. De nouvelles taxes seront levées pour limiter la circulation piétonne aux abords du Grand Palais. Si seulement j'avais mon propre bateau. Ça, c'est la vraie vie. Qu'est-ce que c'est que ce raf ? La moitié de l'Empire est à mes trousses. Je me demande bien ce qu'ils vont me faire s'ils me retrouvent. Espèce de sale rat. Je t'avais pourtant dit ce qui t'arriverait si tu me dénonçais. T'étais prévenu. Pitié, vous ne m'avez pas laissé le choix. Pitié ? C'est trop tard, Apollo. Tu sais ce qui va se passer maintenant ? Non. Voilà comment on se débarrasse des mouchards. Bon, si on nous pose des questions, il s'est fait ça tout seul. Ouais, on n'a pas eu le temps de l'arrêter. Hey, l'éolienne tourne bien ? Aucun problème particulier ? Vous avez disparu ? Chers concitoyens, en l'absence du duc, j'aimerais faire l'annonce suivante. Cette année, la crise des mouches de sang est la plus grave que nous ayons jamais connue. Si vous trouvez un nid ou un corps infesté, ne les touchez pas. Toute tentative de pratiquer les rites funéraires de l'abbaye du Kidam sera sévèrement punie. Informez la grande garde cerconienne sur le champ. Le garde présent sur les lieux prendra connaissance de la situation. Je reconnais la puanteur qui émane du grand vide. Cet endroit a quelque chose de corrompu.
Dégagez! Nous recherchons des artefacts hérétiques. Hein? Ici? Attendez, je dois seulement... Cette zone est interdite d'accès sur ordre de l'abbaye. Personne n'est autorisé à entrer. Je commence à plus supporter le son de ma voix. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Laissez-moi tranquille, je vous prie. Chers concitoyens, en l'absence du duc... Tueur masqué. J'aimerais faire l'annonce... Il paraît que certaines victimes étaient à moitié dévorées. Il y avait du sang partout. En réaction à des violents et à des interventions extérieures dans les affaires de Karnaca, la circulation d'un quartier à l'autre est limitée aux détenteurs d'un permis valide, ainsi qu'aux citoyens qui se rendent à leur travail ou en reviennent. La grande garde... Au portail foudroyant, comme à l'époque de la peste. ...tentative d'entraver le bon déroulement de ces opérations. Toute plainte à l'encontre de la Grande Garde doit être adressée au garde le plus proche.
Ayez confiance en l'abbaye, mes amis. Ayez... Je semble avoir vu quelqu'un. Hein? Je m'adresse votre maintenant à tous les hommes pieux de notre société. Soyez d'abord fidèles, et le plus farouchement, à votre famille, vos voisins et l'abbaye du Kidam. Les princes et les reines se succèdent. Mais l'ordre des superviseurs sera toujours là pour vous protéger des horreurs du grand vide et de la corruption que propage l'outsider lui-même. Suivez à la lettre les sept canons. S'il est vrai qu'une sorcière occupe actuellement le trône de Dunwall et qu'elle a envoûté le duc de Cerkonos, comme on le murmure dans les salons et les bouges d'un bout à l'autre de l'Empire, sachez que nous vérifierons cette rumeur et que nous agirons en conséquence. De la fumée s'élèvera, des flammes viendront lécher les pierres de Dunwall Tower, et notre abbaye sera le phare au milieu des cendres. Ne vous détournez pas des chairs familières, celles de la volaille et du mouton, du bœuf et du poisson issus de l'océan froid. Ceux qui consomment... Épouse-moi d'aide! Que quelqu'un vienne m'aider! Je ne veux pas mourir! Oh, c'est bon, c'est parce que... Oui, c'est... Parfois, je me dis qu'il vaudrait mieux fabriquer les boîtes à musique dans chaque enclave. Ici, par exemple. Au lieu de cela, on les assemble dans plusieurs endroits, à l'écart, et ensuite, on nous les envoie. C'est risqué, non? Il serait bien pire de répandre le savoir-faire et les matériaux. Ah! Je vais vous aider à chercher. Hé! Hey, qui est? Qu'est-ce qu'on continuez! Vous n'irez nulle part! Voyons ce que vous savez faire! Venez vous battre! Les sept canons guident! Non! L'un des nôtres est à terre. Je devrais peut-être engager un garde du corps. Je ne me sens plus en sécurité. Alors ça.
Nous avons peut-être besoin d'un huitième canon. Celui qui conteste l'autorité de l'impératrice sera brûlé vif. De cet hérétique est important, bien que je n'ai pas complètement compris pourquoi. Il faudra attendre l'arrivée du vice-superviseur Byrne. Quand doit-il arriver? Il est occupé. Il enverra quelqu'un à sa place. Le superviseur Kindana, peut-être. En attendant, on ne bouge pas d'ici. Le cadavre de l'hérétique ne va pas attirer les mouches de sang, frère? Non, je l'ai déjà saupoudré. Pour le moment, on ne craint rien ici. Mais crois-moi, si quelqu'un se présente ici, ses intentions sont tout sauf pures. Les coïncidences, ça n'existe pas, Yarmaka. C'est Mindy Blanchard. Il est là. C'est le corps que Mindy veut récupérer. De tels mensonges, car leurs échos nous reviennent avec la voix de l'outsider. Ça.
Allez, allez. Ah, vous l'avez? Déposez-le dans ce trou. Vos travaux, tenez. Je ne vous demanderai pas de détails. Comment j'entre dans la dernière? Je viens d'envoyer l'un de mes gars couper l'électricité qui alimente les rails. Quand ce sera fait, vous pourrez suivre la voie ferrée à pied jusqu'à votre destination. De l'autre côté, il y a une gare qui dessert Adermir. C'est mieux que rien. Merci de votre aide. Joue au dé. Ça vous dit? Et comment? Il se trame quelque chose. Les soirs. Je manquerai ça pour rien au monde. Que diriez-vous de dîner ensemble pour partager les derniers potes? Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Je ferais mieux d'aller voir. Je veux pas mourir. Il n'y a aucune issue. Vous n'y avez pas. C'est pas fini! Inutile de courir! Qu'est-ce qui se passe encore? La garde Adermir. Voilà qui devrait mener à l'Institut. Éternellement. Vous n'avez aucune chance de toute façon. J'étais là. Là, dans la baie Nordu. Je devrais peut-être engager un garde. Personne ici. Je ne me sens plus en sécurité. Bon, oublions ça. Encore des soldats de la Grande Garde. Le duc les a à sa botte. Jetez un œil par là-bas. Le cuisinier va m'entendre. Ce plat n'avait pas du tout le goût de pigeon. Quelle honte. Je vais devoir m'abstenir d'inviter à dîner pendant au moins un mois. Un des nôtres est à terre. Voyons un peu. Vous avez trouvé quelque chose? On ne peut pas la laisser filer. De larves de mouches de sang. Quelqu'un est à terre. On vit une attention, le meurtrier pourrait être n'importe où. Rester sur ses gardes. Quelqu'un s'est trouvé mal. Voilà, plus de courant. Thank you.
Le portail foudroyant, infranchissable pour le commun des mortels.